son entreprise en fonction et son entreprise qui continue à fonctionner. Donc, est-ce que nous sommes capables de contredire ça l'État a dit non, nous n'avons pas le droit à ça. Est-ce que nous devons suivre la procédure? Oui, obligatoirement, nous devons suivre la procédure qui est établie. Cependant, ça nous a contredit, c'est que ce n'est pas un hôtel qui vend. Okay. Leur déclarer un espace d'utilité publique à leur vendre un espace, c'est deux thèmes différents. Donc, en conséquence, nous voulons alerter avec tout le monde. Et pendant le conseiller juridique, nous travaillons avec le gouvernement haïtien, mais les services ont toujours été disponibles. Donc, toujours des chambres disponibles, envoyer nous sur place, les restaurants disponibles, salles de conférence sont disponibles. Donc, les services que nous avons habitués à prendre dans le plaza, les services sont là, ils sont disponibles et nous toujours prêts pour nous bailler nos services. Ok. Après la décision, nous avons dit conseil juridique, nous avons dit le travail de conseil avec le gouvernement parce que l'hôtel de Plaza continue à fonctionner. Ok. Un possible dysfonctionnement de l'hôtel de Plaza dans les jours à venir, parce que le ministre de la Justice, non, vient d'annoncer que c'est là qu'il va loger par la justice avec différents organes de justice dans le pays. Donc, pourquoi elle est là, après la décision ça, qui est effective dans les jours à venir, qui. Démarche que nous-mêmes nous avons fait, est-ce que c'est déplorer, nous déplorer ça? Est-ce que nous-mêmes tout nous a collaboré avec l'État? Qui côté nous prévoit que nous la salle de l'État? À ce niveau, je n'ai pas gagné de réponse. Et sauf que ça m'est capable de signaler pour vous. Je crois que l'État de bonne foi dans ça que l'a fait, il connaît côté de l'État aller et je suis sûr que l'État a. Analyser tous les paramètres pour que la décision la prenne et que la décision ça va aller réellement au bénéfice de la population haïtienne, une population qui est assez a souffri et qui est humiliée de tous les côtés que nous passons à travers le monde. Là. Donc, nous pas ouais haïtiens bien. Et moi, je pense que au-delà de tout ça, l'État a toujours joué le rôle de bon père de famille. Qui ça me dit par un bon père de famille? Par exemple, façon message à circuler, façon que l'État a intervenu dans la question, ça, il a besoin de protéger choc émotionnel chaque employé dans le plaza. Il a besoin pour gérer l'émotion chaque riverain qui est dans le plaza. Donc, parce que ça, c'est un aspect important parce que l'État n'est pas capable de présenter comme un bourreau. Parce que, pas oublier que l'État est là, c'est pour servir sa population. Donc, je comprends le gain d'urgence, je comprends le gain une situation de force majeure qui poussait l'État pour que nous prenions décision pour déclarer un espace d'utilité publique. En même temps, l'État a besoin d'utiliser les formules de conciliation adéquate pour que l'atterri avec le projet là. En cas de contestation, nous connaissons qui ça nous fait et nous connaissons qui bon nous doit aller et parti ça, il va réserver avec nous. Bien sûr, c'est le conseiller juridique qui va avancer sur les sujets. Si nous bien comprendre ça qu'on explique là, c'est-à-dire le mal est infini. Ni forme, ni décision, il va ranger nous. Il va ranger nous. Et dit la décision après un investissement qui est allé sur 70 ans d'existence, c'est pas faire. Et dit c'est même jamais des employés, des employés là qui ont 30 ans, qui ont 40 ans. Donc l'employé va prendre ça, quel que soit accepté ou pas. Donc il y a un choc que il fait sur la vie. Donc si nous ma donne une petite anecdote, nous gagnons yon membre, alors yon moun qui est en pension, automatiquement li après une nouvelle là, l'état de que l'état déclare une zone d'utilité publique, il est tombé malade, il y a la li sous tabac de l'hôpital. Et c'est pour montrer comment information li continue à choquer, particulièrement employés. Et dans pile client, sous garde à travers tous les réseaux sociaux, réaction client nous pas des démarche là comme on a besoin de dire pour aller comment ça vient. Client yon pas bien. Et ensuite, nous avons un petit problème à façon tout l'État communiquer sur ces questions. Je pense que ça a été fait avec plus élégance, plus tact, et parce que l'État, j'aime se dire tout à l'heure, il doit comporter comme un bon père de famille. C'est normal, et ceci dans tous les pays du monde, ça fait côté que ont déclaré des zones d'utilité publique. Mais façon que l'État a démarché, pas oublier que c'est bien monde qui va le prendre.
c'est bien un monde que vous avez. C'est un monde qui fait 20 ans, 70 ans, la vivre dans l'espace. Que vous pral délocaliser, vous pral exproprier. Donc, l'on pral faire ça, les besoins ont accompagné psychologique. Donc, vous pas avoir le droit de pas faire ça. Après, le respect de la loi, parce que nous c'est une institution qui croit dans la loi, et c'est ça qui fait que nous toujours régulière dans la façon de nous payer taxes, nous, dans la façon de nous payer redevances nous envers l'État. Maintenant, nous exiger que toute procédure yo respectée, et c'est là que nous avons une possibilité pour réellement nous faire valoir droit. Ok? Et ensuite, l'État nous demande pour que nous comporter comme un bon père de famille. Avant tout, l'État a une responsabilité pour les protéger institutions en Abidjan. Donc, il y a une responsabilité tout pour les attirer investissement en Abidjan. Donc, si l'État a une responsabilité pour attirer investissement en Abidjan, donc l'État n'a pas fait mode de communication ça. Automatiquement, communication mal passée ou dit avec ou voyez des signaux clairs par l'autre investisseur que yo en danger là yo vin ici en Haïti. Yo pas en sécurité, le gouvernement yo pas sécurisé. Moi pensais que le moment est venu côté que chaque monde qui en dans pays, y a particulièrement des hommes d'État, yo mettez yo à la dimension de yon bon père de famille. Je suis sûr que c'est ça chaque grain haïtien à travers le monde a besoin. Des hommes responsables, des hommes qui leur parlé et que ont fait un effet psychologique positif sur la population. Parce que j'ai des employés et chaque grain employé ça yo conversation que représentant l'État baille sous question affecte yo psychologiquement. Maltraite yo psychologiquement. C'est des hommes et des femmes, des pères de famille qui pensaient que demain matin ils pral dans chômage et que l'État paraît comme un bourreau pour le mettre dehors. Et je crois chaque jour que soleil a levé, le soleil a levé, c'est la justice qui est levée. Et chaque homme d'État il doit travailler pour que il respecte justice ça. Oui, monsieur, nous avons droit pour que nous déclarions une zone d'utilité publique. Mais bien fait, s'il vous plaît, bien fait, comportez-nous comme de vrais pères de famille. C'est responsabilité, nous. C'est engagement, nous, comme des hommes d'État. Communication, yo, très, très, très mal passée. Et c'est tout ça que nous demandons et nous espérons que. Et responsable de comprendre parce que nous avons des clients qui ont souffert. Et pour finir, je dis que le service nous, jusqu'à nouvel ordre, nous avons été campés. D'ailleurs, nous avons un pile spécial que nous avons fait dans le dernier moment. Le service a continué. Non, le service a continué. Et c'est ça que je dis que nous avons un pile spécial que nous avons fait. Nous inviter chaque monde qui a une possibilité d'attendre nous. Et venez garder qui ça, Plaza. Et malgré tout ça, nous tandis qu'il y a passé, sur chaque visage, doit paraître dans la croix, ou un sourire. C'est une dimension extraordinaire. Le, ils ont employé, joignez nos situations pareilles, et malgré tout, la recevoir client. Il fait un dépassement de soi pour que les sourires, l'État haïtien nous prend ça en considération. Pas de pile groupe monde comme ça dans le pays. Pas de pile jeunes garçons, jeunes filles qui décident pour que ils travaillent comme des professionnels. Pas de clients qui sont capables de venir dans le plaza pour ne pas dire qu'ils viennent là. Personnel nous, pas un personnel qualifié, pas des professionnels qui servent nos dimensions extraordinaires. Yo toujours voulu croire que yo pas en Haïti le garder service là. Donc l'État doit prendre ça en considération parce que moun sa yo ou pas capable à bastonner comme ça psychologiquement. Ou besoin accompagner yo, ou besoin encadrer yo. Ou pas yon bourreau, l'État pas yon bourreau. L'État doit comporter comme un vrai père de famille.
je voulais ajouter quelque chose. Il y a tout ça avec nous déjà. Il y a une qui fait plus de 30 ans là, qui entre en âge, nous fait la calée parce qu'il était commencé physiquement pas capable, mais il toujours mon salaire. Et il n'est pas capable de travailler encore. Dans le temps des nouvelles là, il est à l'hôpital. Il n'est pas capable de prendre information. Nous avons une troisième qualité d'employé, c'est de monde qui n'a pas de salaire. Mais qui te font nombre de temps travail à le plaza, qui est attaché pour une famille. Le slogan nous c'est une famille, une équipe. Malgré à l'étranger, que c'est en Europe, au Canada ou aux États-Unis, ils sont toujours attachés. Là, nous publions des bagailles, ils ont même avec fond par eux. Il y a boosté pour nous, pour toujours faire le plaza exister. Et mon salle, qui est attaché à le plaza. Employé ça yo et client ça yo qui maman yo grand parent yo t'es toujours bien joué avec le plaza qui pour yo sont partie dans l'existence sur le plaza yo. Et yo même ça n'a pas dit avec mais yo goumen pour yo graduellement a fait hôtel là marché fait hôtel là grand nom grand service que graduellement la pral. Malheureusement en 1961 bon drame qui va arriver, papa patriarche l'hôtel là pour elle disparaître pas jamais. Mais madame Edipou, Thérèse Pierre-Louis pral kembel l'hôtel là jam jusqu'à 1972 côté petit garçon qui c'est patriarche l'hôtel là pral rentrer en Haïti après une longue étude aux États-Unis. Côté le tal étudier l'hôtellerie, côté le tal étudier management pour le vin aider maman travailler dans l'hôtel. En 1982, l'hôtel Le Plaza pral premier l'hôtel en Haïti qui pral gagner franchise Holiday Inn. À l'époque, c'est un gros événement, un coquin chaîne événement côté bon Holiday Inn en Haïti. Un hôtel de luxe qui gagne service standard international. Nous continuons à travailler avec Holiday Inn jusqu'à ce que nous arrivions en 90. 90, nous rappelons nous bouleversement dans le pays, bouleversement politique, bouleversement social, fait que un pile investisseur commençait à bousculer, quitter le pays d'Haïti. Nous arrivons dans l'année 94, côté retour à l'ordre, malgré ça, nous avons perdu Holiday Inn, qui c'était à l'époque, une franchise internationale. Mais nous kembe jam jusqu'à ce que nous arrivions en 98 côté l'hôtel là pour continuer avancer, li ouvri première salle conférence qui était 300 moun à l'époque qui portait nous madame Thérèse qui c'est une première femme en Haïti qui goumen pour droit femme. Li était milité dans Ligue haïtienne droit femme. Nous connaît même Jean Avem de par histoire. Année 50 yo femme pour qu'on gagne droit voter dans élection en Haïti et même dans université yo pas accepter femme là-dedans. Nous malheureusement perdu j'en ai dit Holiday Inn mais nous kembe avec standard nous jusqu'à ce que nous pral vinn rive à 101 chambres. Journée jodia malheureusement tout le monde connaît depuis un certain temps, bah, yo difficile. Nous, nan même loi. Nous continuons à travailler, nous continuons à payer taxes, mais service yo client yo diminué, Jean-Baye a passé la journée jeudi. Nous continuons, j'aime ça dire, nous à payer taxes normalement, nous gagnons une cinquantaine d'employés sous place qui travaillent, nous ouvrons à toute activité, mais malheureusement c'est réalité. Hein. Nous à travail au ralenti. N'a quitté collègue là, nous